Christophe Lan nous fait découvrir son trésor. Ce sont les nouveaux-nés de son cheptel, plus de 200 000 bêtes à cornes. Donc on va pouvoir les mettre en parc, on va pouvoir aller les mettre dans leur terrain de jeu. La lenteur ici est toute relative. L'escargot bouge lentement, mais il a une croissance fulgurante. De 3 mm à l'éclosion, il passe à 3 cm en l'espace de 4 mois. Nous sommes en période d'essaimage, la saison commence. Arrivé à cette étape-là, l'escargot, lui, a atteint sa maturité. Donc il ne viendra pas plus gros. Et on va pouvoir aussi faire la fameuse recette de l'escargot à la bourguignonne où on va beurrer l'escargot dans sa coquille. Donc du coup, ça va nous présenter un escargot dans une assiette avec une coquille bien faite, bien formée, surtout pas abîmée. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important de faire le choix justement de chaque coquille qui va se retrouver dans une assiette. Mais avant de se régaler, il faut chouchouter nos gastéropodes. Même si l'animal est plutôt rustique, il demande des soins particuliers. Ici, tout est en bio. Et à la table de l'escargot, il y a de la luzerne, du trèfle, du soja et même de la moutarde. Et en dessert, des préparations multicéréales dont le mollusque est très friand. Christophe Lan a rejoint depuis 2018 le cercle très fermé des héliciculteurs. Ils ne sont que 400 en France. Un démarrage en trombe où Christophe veut créer à Roquevert un centre dédié à l'animal. Et là, on est dans mon futur, puisqu'on est en travaux, espace de vente. Voilà, c'est là où tous les clients qui voudront venir visiter, s'informer et déguster les produits pourront découvrir ici dans cet espace qui, j'espère, sera convivial. Je fais tout pour. De la gastronomie à la cosmétique, l'escargot a encore beaucoup à nous apprendre. Il y a toujours quelque chose, une information à faire passer, à faire découvrir. Donc ça devient vraiment un métier passionnant. Ouverture au public prévue en juin.